Bref, depuis 3 ans, ma vie consiste à passer 90% de mon temps face à un ordinateur qui est plus fatigué que moi, tout ça pour poster une vidéo YouTube tous les 10 jours qui sera regardée par ma mère ou des ados de 15 ans. Alors un jour, j'en ai eu marre. Faut que ça change. Au début, j'ai voulu retourner au magasin de sport où je travaillais avant d'être YouTuber, j'ai regardé mes bulletins de salaire, j'ai oublié. En traînant sur internet, j'ai vu que le FC Barcelone cherchait un attaquant. J'ai pensé mes prestations avec la Team Lady, je me suis dit que j'avais une chance. Franchement, ça peut le faire. J'ai demandé à mes proches s'ils pensaient que j'avais le niveau, ma mère a dit... L'important c'est que tu crois en toi. Mon père a dit... Tu peux pas faire autre chose que du foot. Et enfin mon frère a dit... Elles sont pas si mal tes vidéos. Comme ma famille ne croyait pas en moi, j'ai voulu me faire remarquer en publiant une vidéo YouTube comme celle que poste le FC Barcelone lors de la présentation de ses recrues. Oh. Ça a bidé, j'ai fait 3 vues. Je comprends pas. Franchement, pourtant c'était hyper ressemblant. C'était vraiment mal barré. D'un coup, je me suis rendu compte que ma meilleure carte était cachée dans ma manche depuis le début. Oh mais oui, je sais. Cette carte, c'était Clément. Clément, c'est un mec qui joue FC Barcelone depuis 2018, mais surtout mon demi-frère caché à qui je n'ai pas parlé depuis 5 ans. Tout ce que j'ai gardé de lui, c'est son premier maillot de foot et son numéro de téléphone. J'ai essayé de l'appeler une fois, deux fois, trois fois, ça répondait pas. Allez Clément, décroche bordel. Le lendemain, j'ai décidé de lui envoyer un message. J'ai écrit: Salut Clément, comment ça va? J'ai vu que le FC Barcelone cherchait un nouvel attaquant. Tu penses que ça pourrait être moi? Il a répondu: Salut Lévi, franchement, je pense que ça peut le faire. Je vais essayer de voir si je peux t'aider. Dans ma tête, c'était la folie. Oh putain! Je me suis imaginé en train de marquer un but au Camp Nou, gagner des millions d'euros, sortir avec cette fille, avoir une Bugatti Chiron. T'as vraiment cru que j'allais t'aider après 5 ans sans nouvelles de ta part? Évidemment que t'as pas le niveau. Bon 1er avril, frérot. Bref, j'ai failli signer au FC Barcelone. Bon bah c'est reparti pour faire le buzz.